Bonsoir, chers amis. Nous sommes heureux de nous retrouver ce soir pour cette conférence débat sur le thème du cléricalisme, une notion qui a été mise en avant par le pape François, peut-être pas simplement une notion, mais ce qu'il voit comme la source fondamentale des abus que l'Église peut connaître. Ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Anne-Marie Pelletier, Madame Anne-Marie Pelletier, professeur des universités, que j'ai connu dans l'enseignement, en particulier à la faculté Notre-Dame, d'abord l'école cathédrale, puis maintenant la faculté Notre-Dame du Collège des Bernardins. Mais elle enseigne dans différentes institutions catholiques, comme par exemple le Centre Sèvres, ou encore dans la formation monastique. Anne-Marie Pelletier est professeure de lettres des universités, elle est exégète, théologienne. C'est la première femme à avoir obtenu, jusqu'à présent, j'espère qu'il y en a d'autres, il y en aura d'autres, à avoir obtenu le prix Ratzinger, Jean-Benoît XVI, pour ses travaux en théologie. Elle est aussi la personne à laquelle le pape François a demandé d'écrire un chemin de croix lors du Vendredi Saint de l'année 2017. Je la remercie beaucoup d'être là ce soir. Nous nous connaissons depuis quelques années. Anne-Marie est une amie. Je vous présente d'ailleurs un livre qu'elle a écrit et qui sous-tendra sans doute cette conférence, L'Église des femmes avec des hommes. Voilà, vous aurez l'occasion de voir les références de ce livre apparaître à l'écran. Avec elle, il y a le père Mathieu Villemot, que vous connaissez bien sur la paroisse, qui est vicaire sur la paroisse, mais surtout qui intervient ici à titre de professeur de philosophie, pour débattre donc avec Anne-Marie Pelletier de ce sujet du cléricalisme. Et derrière moi, il y a aussi Jérôme Vignon et puis Jean-Marc Fayol, deux paroissiens connus, qui vont modérer ce débat. Jérôme est d'ailleurs celui qui est un peu à l'origine de cette rencontre. Nous en avions parlé et c'était la personne la mieux trouvée, voyez, pour pouvoir animer ce débat, lui-même ayant participé à un certain nombre de lancements. Je ne sais pas si vous avez participé à cette promesse d'Église, ce mouvement, cette charte qui a été lancée par un certain nombre d'associations chrétiennes. Tout de suite, je vous laisse en compagnie d'Anne-Marie Pelletier et du père Mathieu Villemot, que je remercie encore pour leur contribution de ce soir. Merci beaucoup, père Guéguin. Effectivement, l'idée de cette soirée est venue d'un éditorial, en fait, Mathieu Villemot, dont je vais juste lire un extrait, puisqu'il introduit parfaitement à l'échange qui va se dérouler. Un éditorial qui date de janvier 2019, au moment du paroxysme de notre crise des abus sexuels et du cléricalisme. Ces prêtres, disait Mathieu, ont purifié l'extérieur en laissant pourrir l'intérieur. Comme dit le pape, ces prêtres se sont auto-référencés, s'intéressant au pouvoir, à leur domination, et non au Christ blessé qui se fait présent au cœur de chacun d'entre nous. Le pape François, dans sa lettre au peuple de Dieu, affirme que nous ne sortirons de cette crise que par la pénitence. Il y invite l'Église dans son ensemble, prêtres et laïcs, à penser la lutte contre le cléricalisme. La tendance à penser que les prêtres sont une élite au-dessus du peuple est une tentation de toute l'Église, pas seulement des prêtres. Alors, ce rappel explique notre déroulement. Dans un premier temps, Anne-Marie Pelletier, donc, va essayer de nous faire comprendre comment nous en sommes arrivés là, à partir de sa connaissance des textes et de sa capacité à leur faire dire où nous en sommes et pourquoi il a pu y avoir ce détournement de l'autorité. Lui répondra ensuite Mathieu, qui nous ramènera à hauteur de paroisse, car il ne s'agit pas pour nous de soulever des idées nouvelles, de faire des propositions théologiques, mais il s'agit pour nous de comprendre comment, à notre échelle, en tant que paroissiens, nous pouvons aussi assumer cette question de la justesse de l'exercice de l'autorité et donc de la remise à sa place du cléricalisme. Anne-Marie Pelletier, c'est à vous. Merci. Oserais-je vous dire brièvement pour commencer que cette rencontre qui a été fort contrariée dans sa programmation pourrait peut-être bien être un peu contrariante ce soir. Je veux dire que nous nous retrouvons autour de cette question du cléricalisme, en l'occurrence cette pathologie tellement douloureuse qui sévit dans l'Église. On peut se demander si le moment est tellement bien choisi.
pour ouvrir ce dossier, car enfin, nous sommes plongés en ce moment, en France et à l'échelle du monde entier, nous le savons, dans les affres d'une pandémie qui est aussi une pathologie. Et est-ce que nous ne sommes pas ce soir en train d'ajouter le souci d'une maladie à une autre maladie? Et puis enfin, nous sommes à proximité immédiate de Noël, où nous ne cessons d'être encouragés à nous faire attentifs, nous faire silencieux pour accueillir le mystère de grâce de Noël. Voilà, alors tout ça fait que, en venant vous rejoindre, je me dis que nous aurions peut-être eu envie de nous retrouver sur un autre sujet. Mais nous parlerons donc du cléricalisme et surtout, je dirais, de l'antidote que ce cléricalisme doit faire surgir. Alors, dire cela, ça veut dire que... nous essaierons de parler dans l'esprit qui est celui des Écritures bibliques. Je veux dire que dès le début du Premier Testament, vous vous rappelez que dans l'histoire de Joseph et de ses frères, eh bien, la parole en quelque sorte conclusive consiste à déclarer que Dieu sait faire, Dieu sait tirer le bien du mal, il sait tourner le mal en bien. Donc, je voudrais que ce que nous allons échanger ce soir se situe bien dans cette lignée. Alors cela étant, je crois qu'il ne serait pas juste que nous enjambions trop vite la réalité qui est l'arrière-plan du cléricalisme. Même si elle est traumatisante, nous sommes dans le temps de l'Avent où nous sommes rappelés par la liturgie qui nous fait entendre la prédication de Jean-Baptiste, cette exhortation, ne vous soustrayez pas à la colère de Dieu. Or, il y a dans la vie de l'Église aujourd'hui de quoi attiser la colère de Dieu. Alors, je rappelle qu'effectivement, ce mot de cléricalisme, il est dans la bouche du pape depuis le début de son pontificat. Mais il a été d'abord beaucoup en direction, disons, de la curie. Et à partir de 2018, eh bien, il est revenu en force et dans des paroles qui étaient des adresses à l'ensemble du peuple de Dieu. Nous avons la mémoire de ces mois qui malheureusement se poursuivent. Par vagues successives, les révélations nous ont découvert tout un monde de turpitudes, d'abus, de crimes dans l'Église. Et nous nous rappelons que le pape a réagi à cela en s'adressant avec grande gravité et autorité, en s'adressant au peuple de Dieu, à l'ensemble du peuple de Dieu. D'abord au peuple de Dieu qui est au Chili, et puis ensuite à tout le peuple de Dieu. Et ce faisant, il a bien eu l'intention de nous mobiliser tous. À partir de ce diagnostic qu'il a posé, tous ces drames qui se dévoilaient dans l'Église n'étaient pas ponctuels, n'étaient pas simplement l'affaire de quelques-uns qui se seraient égarés, de quelques personnalités perverties ou perverses, mais que c'était l'ensemble de la vie de l'Église qui était impliquée dans tout cela. Et donc il nous a parlé à ce moment-là d'un problème systémique. Je vous lis deux lignes de ce petit texte de la lettre au peuple de Dieu, précisément. Il nous a fait savoir, il nous a enseigné à tous en nous demandant d'entendre ce diagnostic. Le cléricalisme, eh bien, c'est une manière déviante de concevoir l'autorité dans l'Église, nous a-t-il dit. Voilà. Et un petit peu plus loin, dire non aux abus, c'est dire non de façon catégorique à toute forme de cléricalisme. Voilà, donc ce qui est en cause dans ce thème qui nous réunit ce soir, c'est une manière déviante de concevoir et d'exercer l'autorité, mais c'est aussi, je dirais, à la racine, une manière erronée de connaître l'Église,
de concevoir les relations qui nous unissent à l'intérieur du corps ecclésial. Et c'est aussi une manière erronée de connaître nos identités personnelles. Car, bien de fait, depuis des siècles, reconnaissons que la visibilité de l'Église catholique a tendu à se confondre avec sa hiérarchie. C'est toute une histoire. Il faudrait remonter au 1er siècle, hein, des Hippolyte de Rome. Hein, on voit comment l'Église s'organise, et elle doit s'organiser avec de l'autorité distribuée. Mais elle s'organise immédiatement en suscitant des partages qui sont immédiatement des hiérarchies. Et je dirais bien qu'à partir de là, on observe au fil du temps jusqu'à nous l'exercice, j'ai envie de dire, d'une espèce de pulsion hiérarchisante dans l'Église. Il faut distinguer et il faut classifier et il faut que les uns soient au-dessus des autres. Donc ça, c'est évidemment, c'est une réalité qui a traversé les siècles et qui nous rejoint aujourd'hui puissamment. Et puis aussi, nous savons que depuis des siècles, et peut-être tout spécialement depuis l'époque classique, eh bien, le sacerdoce ministériel, que le père Villemot évoquait tout à l'heure en des termes tellement rudes, ce sacerdoce a été revêtu et de plus en plus d'une éminence qui l'a résolument placé au-dessus de tous les autres membres de l'Église. Il a été de plus en plus perçu, j'ai envie de dire, comme un surclassement de la condition baptismale. Et c'est ainsi que un fossé s'est creusé de plus en plus entre le monde des clercs et puis le monde des laïcs. Sachant qu'il revenait à ce monde des clercs, eh bien, l'exercice du pouvoir, bien entendu, mais aussi la maîtrise du savoir, hein, l'autorité de la parole, tandis que du côté des fidèles, des simples fidèles, comme on dit quelquefois, dans une expression tout de même un petit peu problématique, du côté des simples fidèles, des laïcs, disons, eh bien, ce qui devait dominer, c'était l'obéissance. C'était quand même essentiellement des pratiques de piété qui pouvaient apparaître suffisantes, hein, pour les simples fidèles. Et donc, aux prêtres, les secrétas, c'est-à-dire les vérités les plus profondes de la foi, et puis au peuple chrétien, les apertas, comme on disait, hein, en latin, c'est-à-dire les vérités de la foi plus immédiatement accessibles et peut-être plus accessoires. Donc, tout cela s'est élaboré au long d'une longue histoire qui est la matrice du cléricalisme dont nous voyons les effets pervers, dont nous éprouvons aujourd'hui les effets pervers et dont il faut que nous sortions, hein, en ce point d'extrême critique qui est le nôtre aujourd'hui. Il faut sortir de cela. Dois-je préciser que dire cela, ce n'est pas inviter à rompre avec la tradition. Comme si tout d'un coup nous devenions des héritiers ingrats, cédant aux sirènes de nos sociétés démocratiques ambiantes. Non, c'est pas ça dont il s'agit. Bien au contraire, j'ai envie de dire, il s'agit plutôt de retrouver la tradition, la grande tradition de l'Église, à sa source, qui s'est progressivement encombrée et ensablée. Ce qu'il nous faut retrouver aujourd'hui, c'est l'Église telle que l'enseigne Paul. L'Église comme corps unifié, tel qu'il en parle dans ces textes que nous avons dans l'oreille, mais que nous recevons si peu, je pense. Songez à la lettre aux Galates, au chapitre 3,
car vous êtes tous fils de Dieu par la foi dans le Christ Jésus. Vous tous, en effet, baptisés dans le Christ, vous avez revêtu le Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni homme libre, il n'y a plus l'homme et la femme, car tous, vous ne faites qu'un dans le Christ. Et il y aurait bien d'autres variations dans le corpus paulinien sur ce thème du tous et du tous ensemble. Donc, c'est bien cette vérité première fondatrice de l'Église en son début, que tous partagent la vie baptismale, tous sont engagés dans la vie filiale, tous sont appelés à la sainteté, et pas simplement les saints prêtres, toute une tradition l'a dit et l'a répété. Alors c'est très bien d'avoir des saints prêtres, hein, voilà. Mais des saints prêtres pour un peuple saint. Voilà. C'est tout cela, oui, qu'il nous faut regagner, en réentendant, là encore, la tradition la plus originelle et la plus fondatrice, en réentendant la première lettre de Pierre, au chapitre 2, où il nous rappelle « Vous êtes un sacerdoce saint en vue d'offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. » Tous. Et vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis pour proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Tous. Et donc, aucune hiérarchie ecclésiastique ne doit l'emporter sur cette vérité fondamentale. Et ça, nous l'avons beaucoup oublié. Et puis, se dégager d'une tradition qui a tout de même dérapé, c'est retrouver la tradition des premiers siècles de l'Église, pas simplement la tradition scripturaire, mais la tradition ces années où l'Église a une conscience très vive de l'éminence du baptême, vécu d'ailleurs au premier temps dans des communautés domestiques, hein, et sans du tout l'appareil hiérarchique qui s'est mis en place au-delà. Je vous rappelle cette parole de Justin, un apologiste du IIe siècle. Il a dû mourir en 165, Justin, donc on est vraiment dans les premiers siècles de la vie de l'Église. Et Justin, qui, réfléchissant à l'identité de l'Église, parle d'elle comme, dit-il, un peuple archi-sacerdotal. Voilà. Et je vous rappelle, là aussi, la grande tradition qui nous est familière, ce sont des textes que nous connaissons tout de même, saint Augustin, c'est un petit peu plus tard, hein, mais s'adressant à la communauté d'Hippone et lui expliquant que, voilà, pour vous, je suis évêque, mais avec vous, je suis chrétien. Et être évêque, c'est une charge que j'assume, et être chrétien, c'est une grâce que je reçois, hein, et que je partage. Donc. Une charge qui m'effraie, oui. Et oui. Voilà, donc, vous voyez, ça, c'est notre seul fondateur. Et on n'a pas le temps de trop développer, mais il est bon de revisiter ces premiers siècles de l'Église. Alors, qui sont concomitants à un certain moment avec cette naissance et cette affirmation croissante de structures hiérarchiques, mais tout de même, au IVe siècle, songeons à la manière dont se pratique le baptême dans la nuit pascale. Hein, et le baptême a tellement de déclats qu'on ne baptise pas dans un coin de l'église où se trouve une cuve baptismale un peu modeste, dans un espace un peu obscur. Hein. On construit un baptistère.
On construit un baptistère. Et c'est tout le peuple chrétien, clergé et puis fidèle, qui s'achemine durant la nuit de Pâques jusqu'au baptistère. Et je vous rappelle tout de même, pour que nous confirmer dans cette grandeur inégalable du baptême, cette inscription du baptistère du Latran, « Ici naît pour le ciel un peuple de race divine, engendré par l'esprit fécondateur de ses eaux. La mère Église enfante en ses ondes, le fruit virginal, conçu par la vertu du Saint-Esprit. Il n'y a aucune différence entre ceux qui renaissent. Ils sont un par un seul baptême, un seul esprit, une seule foi. » Voilà, donc, telle est, me semble-t-il, la tradition qu'il faut que nous retrouvions, que nous regagnions. Et comment pouvons-nous le faire, Anne-Marie ? Et alors, j'avance encore un tout petit peu avant d'aborder le comment, mais pour dire déjà que lorsque l'on remet au centre ainsi le sacerdoce ministériel, tout se recompose d'une certaine manière. Et en particulier, le sacerdoce, le sacerdoce baptismal, lorsque l'on remet au centre le sacerdoce baptismal, le sacerdoce ministériel en particulier, change de définition et donc de manière de s'exercer. Il devient fondamentalement un service. C'est le service de la sainteté du corps, c'est fondamentalement un pour l'autre. Et je crois que ce n'est pas humilier le sacerdoce ministériel que de le voir ainsi. Au contraire, enfin, il est au principe de l'imitation du Christ serviteur. Tout se met à se réordonner, et entre nous aussi, lorsque nous commençons à percevoir qu'au sein de la communauté chrétienne, nous sommes donnés les uns aux autres. Et nous retrouvons là, de nouveau, l'Église qu'évoque Paul, l'Église de charisme. Alors des charismes qui ne se jouent pas contre l'institution, mais des charismes qui sont des dons de l'Esprit, qui sont donnés à un certain nombre de membres de la communauté pour la vie, pour le service des autres. Et la sainteté de même. Ce n'est plus simplement l'affaire d'une élite ou de gens qui seraient doués pour la chose, mais c'est la vie de tous, c'est la vocation de tous. Et est-ce que nous avons suffisamment honoré dans nos paroisses ? Alors je réponds pour la mienne, non. Le texte. C'est pas Saint-Honoré. C'est pas Saint-Honoré. Le texte du pape François, Gaudete et exultate, nous rappelons avec force que la sainteté, ça doit être l'ambition, ça doit être le désir de chaque chrétien, et la sainteté, c'est la sainteté de la porte à côté, voilà. Donc, je crois, tout ce qu'il faut que nous regagnions, et cette idée que l'Église, comme dit Lumen Gentium, doit être sacrement du Christ dans le monde présent, mais ce qui veut dire aussi quand même que chacun, chaque chrétien, nous devons nous percevoir comme sacrement du Christ. Alors, tout ça, je le dis peut-être de façon un peu, pas abstraite, mais c'est une ecclésiologie que j'évoque en ces termes. Et évidemment, il faut que tout cela s'incarne. Il faut que tout cela s'inscrive dans les pratiques de nos communautés. Et celles-ci ne vivront pas de la même manière selon que tout est délégué à nos prêtres, comme nous disons, ou bien vécu sur un mode synodal. On marche ensemble, ça veut dire que l'autorité se partage, le discernement s'exerce ensemble, etc. La mission est partagée. C'est pas simplement l'affaire de nous, prêtres, c'est l'affaire de chacun d'entre nous qui doit entendre la parole de Paul. Vous êtes ambassadeurs, vous êtes en ambassade pour le Christ. Voilà. Et il y aurait aussi beaucoup de choses à dire, mais ça, on va peut-être l'évoquer tout à l'heure, concernant la diaconie de la parole. La diaconie de la parole qui s'alimente à la fréquentation des Écritures. Ce n'est pas simplement l'affaire du prêtre qui est en charge de l'homélie, mais c'est l'affaire de chacun. Et donc, j'ose dire que nous devons revendiquer tous un accès à une lecture intelligente des textes et au bonheur
de la connaissance théologique aussi. Ça ne veut pas dire que ça va faire de nous des théologiens, mais voilà, accéder au trésor de la foi, hein, au secreta. Hein. Voilà, alors je conclue. Seulement accéder à une lecture intelligente ou aussi à un commentaire Oui, bah, bien sûr, lecture, et puis oui, bon, ça il faut peut-être qu'on en reparle, hein, mais voilà, je vous dirai. Alors là, pour le coup, c'est mon expérience dans ma paroisse en ce moment. Voilà, donc, vous voyez, enfin, tout ce que je suis en train de dire là de façon beaucoup trop rapide et elliptique, bien sûr, hein, je crois que dans l'esprit du pape François, ça doit être antidote au cléricalisme. Mais vous voyez que ce n'est pas simplement antidote, hein, pas simplement. Tout cela, je crois, ouvre des perspectives régénérantes, hein, dilatantes, hein, et tellement utiles en ce moment où nous sommes inquiets de certains essoufflements, hein, de l'Église dans notre société. Hein, voilà. Donc tout ça nous convie à un renouveau ecclésial. Un renouveau ecclésial qui veut dire l'engagement dans un travail, hein, et pas simplement écouter des considérations sur le sujet, mais s'engager dans ce travail qu'évoque Véronique Margron, qui est dans la bibliographie que vous donnez, hein, quand elle parle des 12 travaux d'Hercule. Hein, voilà, oui, ça veut dire qu'il y a de quoi s'occuper. Hein. En même temps, est-ce que c'est pas une perspective très heureuse, hein, très réjouissante, hein, comment inventer des manières d'incarner, hein, dans des pratiques paroissiales ce renouvellement de notre perception de l'Église, hein. Je crois que la tâche est exaltante. La tâche est exaltante. Alors, en ce sens-là, cette question du cléricalisme n'est peut-être pas une si mauvaise question, même en ce temps de fin d'avant. Voilà une bonne nouvelle à Marie Pelletier, qui nous laisse sur un travail à accomplir et pas des transformations, des révolutions qui se passeraient en dehors de nous. C'est un travail qui est à notre portée. C'est peut-être un travail que nous pouvons envisager à la hauteur de la vie de notre paroisse, remettre au centre de cette vie paroissiale le sacerdoce des baptisés, s'il n'y était pas déjà. Mathieu Villemot. Merci beaucoup, merci Madame Pelletier, merci de me donner la parole pour continuer. Je commencerai par dire que l'Église catholique est confrontée au plan mondial à une crise très grave. Les abus de toutes sortes commis par des prêtres, ou plus rarement par des laïcs en situation de responsabilité, comme Jean Vanier, sur des laïcs. C'est une crise très grave d'abord par son ampleur. Il n'est plus possible de dire qu'il s'agit de quelques canards boiteux. La commission australienne qui a étudié la question a trouvé 7% de prêtres fautifs, et le rapport d'étape de la SIAZ en France va dans un sens comparable. Ensuite, c'est une crise très grave parce qu'elle touche à la confiance fondamentale que la mère de famille peut faire à son curé pour lui confier son enfant. Les guerres de religion, par exemple, étaient bien plus graves par leur nombre de victimes, ça va de soi, mais elles ne touchaient pas à cette confiance fondamentale que la mère de famille pouvait faire à son curé. Et par conséquent, cette crise, en un certain sens, aggrave toutes les autres crises, parce qu'elle touche à la crédibilité de l'Église dans tous ses domaines. Elle sape l'Église quand l'Église lutte pour la famille, pour la doctrine sociale, pour la défense de l'environnement ou que sais-je. Il m'est déjà arrivé dans une paroisse où j'avais été convié pour une conférence qu'un diacre me coupe la parole et me dise « Vous n'avez plus le droit de parler de bioéthique après ce que les prêtres ont fait. » Il est donc urgent que chaque catholique prenne conscience de la crise et prenne sa part dans la solution de cette crise, le pape l'a explicitement demandé. Comme dans toutes les crises de l'Église, la réforme sera d'abord spirituelle, nous l'avons déjà dit, une conversion. Il nous faut demander au Christ d'éclairer nos cœurs et de les transformer pour qu'ils puissent régner dans son Église. Le pape a défini le cléricalisme, dans sa lettre au peuple de Dieu, comme une attitude qui, je cite, « annule non seulement la personnalité des chrétiens, mais tend également à diminuer et à sous-évaluer la grâce baptismale que l'Esprit-Saint a placée dans le cœur de notre peuple ». Il s'agit donc d'une primauté indue du clergé et éventuellement des laïcs en responsabilité, quoique beaucoup plus rarement, dans la vie de l'Église. Le cléricalisme, c'est le moment où celui qui est en situation de pouvoir le vit comme un privilège,
qui le met au-dessus des autres, lui donne tous les droits sur les autres et le décharge de se convertir lui-même. C'est en particulier le moment où celui qui est en situation de pouvoir se croit détenteur d'un monopole de la grâce de l'Esprit-Saint. Le pape présente donc la solution au cléricalisme comme une meilleure coopération entre prêtres et laïcs, et spécialement une meilleure coopération entre prêtres et femmes. Pourquoi ? Parce que Dieu a créé l'homme et la femme ensemble, selon Genèse 2, pour être image de Dieu ensemble. La mixité est donc spécialement apostolique. Jésus était accompagné des 12, mais aussi, l'Évangile le précise, d'un groupe de saintes femmes qui ont joué un rôle décisif, en particulier Marie-Madeleine, premier témoin de la résurrection. Dans cette réflexion sur la lutte contre le cléricalisme dans notre paroisse, je vais procéder en deux temps. Je vais brièvement rappeler ce que je crois être la figure juste du prêtre selon l'Évangile, à l'aide de la figure de Jean-Baptiste dans l'Évangile de Jean, et cela recoupera beaucoup de choses qui ont déjà été dites. Puis je poserai quelques questions à notre paroisse pour voir comment elle pourrait progresser dans la lutte contre le cléricalisme. Le prêtre modèle dans l'Évangile, et spécialement dans l'Évangile de Saint Jean, c'est Saint Jean-Baptiste. Fils de prêtre, Jean-Baptiste est donc prêtre lui-même, selon la Torah. Or, il ne se comporte pas du tout comme prêtre. D'abord, il devrait vivre à Jérusalem, au service du temple, habillé de la tenue d'apparat des prêtres, et il vit dans le désert, habillé de poils de chameau. Par ce biais et beaucoup d'autres, il se proclame indigne du service du temple. Pour un prêtre, la seule manière de célébrer dignement, c'est de se savoir indigne de célébrer. Jean-Baptiste le dit par une image très forte, « Je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale ». De même, le prêtre doit se savoir indigne non seulement de Jésus, mais de l'Église qui est le corps du Christ, donc de la population qui lui est confiée. C'est selon la tradition spécialement vraie des pauvres qui sont confiés aux prêtres et auxquels le Christ s'est identifié. Saint Jean-Baptiste, par ailleurs, est célibataire. Ce célibat-là est beaucoup moins souvent contesté que celui de Jésus. Il est pourtant beaucoup plus subversif. Comme prêtre, Jean-Baptiste avait l'obligation de se marier. Son célibat n'est pas un état de supériorité. C'est de nouveau l'affirmation de son indignité à servir Dieu. Dans l'évangile de Matthieu, Jésus traite les célibataires consacrés, c'est-à-dire moi, d'eunuques. Ce n'est pas seulement un handicap physique, c'est surtout un handicap social. Entre autres choses, selon la Torah, les eunuques n'ont pas le droit d'entrer dans le temple. De nouveau, ils sont indignes du culte de Dieu. Et je me suis souvent demandé si ce n'était pas l'exemple de Jean-Baptiste qui avait conduit le Christ à cette comparaison. Une exégète pourrait m'aider sur cette réflexion-là. Mais Jean-Baptiste va plus loin. Quand les prêtres l'interrogent sur qui il est, il répond trois fois « Je ne suis pas ». Le Christ, Élie ou le prophète. En grec, il dit exactement « Ego huk eimi ». Or, « Ego eimi »,« Je suis », que Jésus reprendra plusieurs fois à son compte dans l'évangile de Jean, est la traduction grecque du nom de Dieu Adonai. Jean se définit comme n'étant pas Dieu. D'autant plus qu'il se nie lui-même trois fois ce qui est le chiffre de Dieu. Jean se définit comme « pas Dieu ». Cela me semble aller exactement contre le cléricalisme qui consiste à se prendre pour Dieu sous prétexte qu'on est son représentant et surtout à s'arroger des droits non humains sur les personnes confiées. Un des livres qui cherche à comprendre théologiquement les abus sexuels parle d'inceste. C'est inéluctable, le prêtre se pose comme père de son peuple, avoir des relations avec lui est donc un inceste. Or l'inceste est interdit à l'être humain, il était accepté par les pharaons qui se prenaient pour Dieu. Mais il y a plus pour nous dans cette auto-négation, en se niant pour que le Christ ait toute la place. Jean-Baptiste laisse aussi toute la place aux disciples. Le prêtre qui laisse la place au Christ laisse la place aux laïcs qui sont le corps du Christ. Le prêtre est là pour que le Christ et lui seul prennent toute la place dans la vie des gens. Saint Jean précise... Saint Jean l'évangéliste précise, le lendemain encore, Jean se trouvait là avec deux de ses disciples. Posant son regard sur Jésus qui allait et venait, il dit « Voici l'agneau de Dieu ». Les deux disciples entendirent ce qu'il disait et ils suivirent Jésus. Le travail du prêtre consiste donc à donner à Jésus ses disciples, au lieu de les garder pour lui. Or à Paris, et il faut se demander si ce n'est pas le cas aussi sur notre paroisse, le star system du prêtre va très vite.
Chaque paroissien a son prêtre favori dont il attend tout, dont il excuse éventuellement tout, et qu'il ne quitte plus. Il est facile pour le prêtre de se complaire dans cette adoration. Jean-Baptiste précise aussi que l'épouse, l'Église, n'est pas pour lui. L'époux, c'est le Christ, mais lui, Jean, se réjouit à la voix de l'époux. Le prêtre, cela est bien sûr essentiel face aux abus sexuels, n'est pas celui qui doit jouir de l'épouse, car l'époux, c'est le Christ. Finalement, Jean-Baptiste meurt décapité. D'une part, il meurt. Le prêtre doit mourir à lui-même, il doit mourir dans la vie des laïcs parce qu'il faut que le Christ soit la seule. C'est particulièrement vrai pour le prêtre quand celui-ci s'en va, change de paroisse. Les laïcs ont l'occasion de découvrir que ses successeurs ne font fondamentalement pas moins bien. Il faut accepter de perdre le prêtre pour avoir le Christ. Et Jean-Baptiste meurt décapité, c'est-à-dire privé du symbole de son honneur. Il se déshonore pour le Christ. Alors même si j'ai essayé dans cette brève description de montrer ce que cela signifie pour les rapports entre prêtres et laïcs, qu'est-ce que cela signifie concrètement dans notre vie paroissiale ? Plusieurs choses. Tout d'abord, il faut que le prêtre se convainque qu'il n'est pas le Christ et qu'il doit s'effacer devant le Christ. Il faut qu'il fasse aimer le Christ et pas lui-même. Ensuite, que le prêtre sache que puisqu'il n'est pas le Christ, les laïcs qui lui sont confiés peuvent recevoir le Christ par d'autres biais que lui. En particulier, partout où c'est possible, il est bon qu'un chrétien ou un groupe de chrétiens ait affaire à plusieurs prêtres. Alors au fin fond de la Beauce, c'est probablement difficile pour des raisons évidentes, mais à Paris où nous sommes riches en prêtres, c'est probablement possible, et c'est excellent qu'un prêtre ou un groupe, qu'un chrétien ou un groupe de chrétiens ait affaire à plusieurs prêtres et n'ait pas constamment affaire au même prêtre. Mais bien sûr, cela est vrai aussi des laïcs qui peuvent donner le Christ. Quand j'étais séminariste, nous avions des professeurs laïcs, hommes ou femmes, dont Madame Pelletier d'ailleurs, que je remercie à l'occasion. Et incontestablement, ils nous enseignaient le Christ. Il est indispensable que le prêtre reste humble, en particulier sache et dise qu'il n'a pas les droits de Dieu. Il faut que le prêtre se sache concrètement indigne de son ministère, qu'il le vive comme une grâce que lui fait la miséricorde du Christ. Mais toute cette méditation est une belle série d'abstractions si cela ne s'incarne pas dans des structures qui protègent les laïcs des abus divers des prêtres et des laïcs en responsabilité. Il faut que les prêtres prennent l'habitude de coopérer réellement avec les laïcs, d'écouter leurs avis, de leur déléguer de vraies responsabilités. Et il faut poser la question des femmes, qu'elles soient laïques ou consacrées. La misogynie du clergé n'est pas un mythe. Les femmes aussi doivent non seulement partager la tâche apostolique, comme elles le font généreusement dans toutes les paroisses, mais participer aux responsabilités pastorales. Il faut qu'il y ait des femmes en vraie situation de responsabilité. Cela dit, passons à notre paroisse. Nous, prêtres, sommes frappés du fait que les laïcs qui s'engagent dans la paroisse sont très sérieux et compétents pour la plupart d'entre eux. Nous en faisons encore ce soir l'expérience avec toute l'équipe technique qui permet ce petit chef-d'œuvre. Ils font le travail et le font bien. De mon seul point de vue, tout à fait partiel, je suis peu engagé sur la paroisse, une dizaine de laïcs ont pris des vraies responsabilités dans la paroisse, dont plus d'une moitié de femmes depuis que je suis arrivé. C'est évidemment un excellent signe. Pour ne citer qu'un exemple, depuis que je m'occupe du groupe des jeunes, je tiens à ce qu'il y ait avec moi une responsable femme laïque ou consacrée. Pour que je ne sois pas la seule figure d'autorité, parce que je constate que les jeunes ont du mal à me parler, mais aussi parce que j'estime qu'il est important que les jeunes aient une interlocutrice féminine, entre autres parce qu'il y a des jeunes femmes dans le groupe. Mais ces excellents signes ne signifient pas que nous ne pouvons pas progresser. Je n'ai jamais compris pourquoi il n'y avait qu'une seule femme qui donne la communion. Il devrait y en avoir beaucoup plus. Or, j'ai entendu plusieurs paroissiens, et en particulier à ma grande surprise des paroissiennes, refuser de recevoir la communion d'une femme sans être capable de s'en justifier. Il n'existe aucun motif théologique pour lequel une femme ne serait pas apte à donner la communion. Je constate aussi une certaine habitude d'aller demander l'avis ou l'approbation du curé pour le moindre détail, et là où les laïcs pourraient sans doute régler les problèmes entre eux, et une certaine difficulté à adopter une distance critique par rapport aux décisions du curé. Notre paroisse a trois conseils qui prennent leur part dans l'activité pastorale. Le conseil pastoral, le conseil économique et le comité caritatif. Ces conseils sont-ils assez connus, y compris leur composition ? Leur action est-elle assez connue ?
Que pourrait-on faire pour que ces conseils aient plus de visibilité et pourquoi pas d'efficacité? Je n'ai jamais entendu, par exemple, les vice-présidents des conseils pastoraux ou économiques prendre la parole en public pour présenter un projet. Notre paroisse a une carence, de manière générale, dans le domaine de l'enseignement, de la formation. Il est difficile de proposer une formation suivie sur un sujet ou sur un autre à la paroisse. La réponse est assez faible. Et on pourrait imaginer que donc il faudrait travailler dans cette direction-là, mais y compris avec des laïcs et y compris avec des femmes, que ce ne soit pas nécessairement toujours les prêtres qui donnent l'enseignement, mais aussi des laïcs et des laïcs femmes. Il y a bien assez de laïcs formés sur la paroisse pour assurer cette tâche, y compris diplômés canoniquement pour assurer cette tâche. Les laïcs en situation de responsabilité ont-ils assez de latitude d'action? Sont-ils suffisamment soutenus, reconnus? Que pourrait-on faire pour faire mieux? N'y a-t-il pas d'autres lieux où des laïcs, y compris des femmes, pourraient prendre des responsabilités et que nous, prêtres, n'avons pas encore vu parce que la routine fait que nous occupons ces postes sans y réfléchir? Et quelle est la place des laïcs qui ne sont pas en situation de responsabilité? Ont-ils la possibilité de faire valoir leur avis? Ont-ils la place d'être écoutés sur leurs difficultés? Il y a certainement beaucoup d'autres questions à poser et nous comptons sur vous pour les poser. Mais si je résume ce que j'ai tenté de dire, la crise actuelle est très grave, c'est une crise de cléricalisme, c'est-à-dire de coopération entre prêtres et laïcs, hommes et femmes. La paroisse est un excellent lieu pour faire progresser cette coopération. Et même si notre paroisse a déjà des atouts dans ce domaine, il ne faut pas hésiter à se demander comment la faire progresser encore davantage pour que l'évangélisation retrouve sa crédibilité. Merci. Père Mathieu Villemot. Je suis impressionné personnellement. Vous avez fait plus que le job, puisque vous saluez le fait que les laïcs dans cette paroisse font le job. Mais là, vous avez vous-même fait un certain nombre de propositions qui concernent la paroisse et que nous mériterions de méditer. Mais avant de donner la parole à ceux qui nous écoutent, et je pense qu'il y a un petit problème technique à ce sujet. Non, il n'y a pas de questions, il y a peut-être un petit peu trop de timidité face au sujet, donc n'hésitez pas à poser vos questions, le chat fonctionne, j'attends vos questions pour pouvoir les transmettre à nos invités. Très bien, mais en attendant que ces questions arrivent, nous avions prévu que vous puissiez réagir l'un vers l'autre, et vous-même, Anne-Marie, comme vous vous êtes arrêtée au bord de la traduction concrète de vos intuitions, notamment l'accès à la parole, la capacité de s'en nourrir et de la communiquer. Est-ce que vous voulez, en tant que paroissienne aussi, réagir à ce que vient de dire Mathieu? Oui, enfin, je suis impressionnée par ce que vient de nous partager le père Mathieu Villemot. Je suis impressionnée par la franchise rude de son propos. J'ai envie de vous dire, alors que je n'ai aucune complicité avec le cléricalisme, je crois, mais j'ai envie tout de même de vous dire que, en même temps, ces laïcs que nous sommes et qui renaclons devant des comportements cléricaux que nous jugeons insupportables, que personnellement je n'hésite pas à dénoncer avec virulence, c'est aussi tout ce qu'on vous doit. Bon, voilà, la foi, dans mon histoire personnelle, elle est jalonnée de références à des hommes qui étaient des prêtres, qui m'ont transmis beaucoup. Donc, oui, moi j'entends votre autocritique et en même temps, oui, j'ai envie de la nuancer. Mais, si vous voulez, je me dis, en vous écoutant, tout ce que vous venez d'évoquer, du prêtre comme alter Christus, un autre Christ, du prêtre comme époux, enfin, Dieu sait si on a entendu des variations sur ce thème, époux de l'Église, moi ça me fait dresser les cheveux sur la tête, et même aussi cet usage du mot de père, je n'ai jamais compris comment on avait pu définitivement ignorer la mise en garde de l'Évangile, n'appeler personne du terme de rabbi, un seul est père, etc. Donc ça, pour moi, c'est un mystère. Mais bon, tout ça fait que dans les esprits des chrétiens, et donc des paroissiens,
une certaine représentation du prêtre est incrustée. Hein, et finalement, tout ce que vous évoquez est redoublé par le cléricalisme des chrétiens. Hein, de même, ce que vous avez évoqué sur la gestion de l'espace cultuel, hein, l'accès à l'autel, hein, bon, le fait que les femmes ne fassent pas la lecture, le fait que les femmes ne distribuent pas la communion, etc. Je dois vous dire que je suis très, très agressée par tout ça. Hein, mais je me dis, derrière cela, en réalité, alors il y a des choses qui ne sont pas explicitées hein, et qui ne sauraient pas s'expliciter, mais il y a une longue tradition. Avec, dès le 4e, dès le 5e siècle, vous avez des textes foudroyants qui vous expliquent qu'il y a une congruence entre l'état clérical et puis et l'autel. Hein, et l'autel doit être protégé hein, de tout ce qui n'est pas clair. Ça, c'est terrible. Et je me dis que ce travail, il faut que nous le fassions, et pas simplement à un niveau de réflexion intellectuelle, mais dans nos paroisses. C'est des choses dont il faut que nous puissions parler. Hein. Bon, moi, je sais que c'est difficile. Hein, et je sais que très vite, les choses deviennent sensibles et agressives. J'ai eu des conversations avec des paroissiennes sur ces sujets-là. Alors, bon, elles ne m'ont pas convaincue, je ne les ai pas convaincues, mais au moins faut-il parler. Et puis arriver à mettre au jour, vous voyez, toutes ces traditions enkystées qui sont des préjugés, en fait. Donc ça, ce travail, je ne sais plus, dans le texte de Véronique Margon, elle doit évoquer ça, mais ça fait partie des travaux d'Hercule, ça. Ces travaux d'Hercule. Qu'il faut engager dans nos paroisses. Oui, oui, oui. Et ça fait partie aussi de cette parole qui se met à circuler entre nous. Est-ce qu'il y aura assez de confiance pour que nous puissions nous dire des choses. Mathieu, comment créer cette confiance dans nos petites institutions à la hauteur de notre paroisse? Est-ce qu'il y a des gestes qui vous semblent possibles, des lieux où nous pourrions être justement aussi porteurs de confiance dans nos relations entre laïcs, bien sûr, dans la place accordée aux femmes en matière de pastorale ou de formation? Les comités que vous avez cités, sont-ils des lieux qui aujourd'hui peuvent aussi s'ouvrir davantage? Oui, sans doute, sur ces derniers points des comités. Donc je les rappelle, il y en a trois principalement, hein, le conseil pastoral, le conseil des affaires économiques et le comité caritatif, qui est probablement le moins connu des trois d'ailleurs. Mais je pense que, comme vient de dire Mme Pelletier, il faudrait se parler, il faudrait réussir à se parler. Alors, il semble que ce soir, ce ne soit pas un triomphe, puisque le chat soit un peu timide, effectivement. Mais il faudrait réussir à se parler, à faire parler les gens sur leurs difficultés, sur leurs attentes, sur leurs images du prêtre, sur pourquoi ils souhaitent un prêtre à tel endroit et n'en souhaitent pas à tel autre, s'il y a des endroits où ils n'en souhaitent pas, d'ailleurs. Donc, il faudrait réussir à se parler. Et ça va certainement être un des enjeux des mois à venir. C'est bien ce que le pape François a en tête lorsqu'il veut promouvoir justement une église synodale. Oui. Mais ça ne peut pas se faire, ça ne se décrète pas. Mmh. Donc ce sont des relations qui se suscitent, qui s'apprivoisent, et donc ça demande du temps. Mais en même temps, nous sommes sous l'urgence d'une situation d'église. Mais difficile. Anne-Marie, puisque les questions ne viennent pas encore, et que nous avons encore un peu de temps avant que vous soyez à la limite du couvre-feu. Ça va. Et tout à l'heure, Mathieu évoquait ces paroissiens qui ne sont pas très engagés ou qui ne semblent pas l'être, qui ne sont pas impliqués dans des responsabilités et qui, en quelque sorte, constituent une forme de périphérie à l'intérieur de la paroisse. Est-ce que vous voyez de quelle sorte d'initiative, de quel geste pourrait être susceptible de les, non pas de les ramener à l'intérieur, mais de nous sentir davantage proches, de constituer avec eux ce peuple unique que vous évoquiez, des baptisés? Oui, alors là, je crois qu'il ne faudrait pas tomber dans le piège que le pape dénonce d'ailleurs,
que finalement, l'idéal, ce serait de s'engager dans sa paroisse et de prendre des responsabilités dans les conseils, etc. Hein. Mmh. Alors oui, certainement que c'est nécessaire, mais il y a tous ces chrétiens qui ne le feront pas, qui n'ont pas envie de le faire et qui n'ont peut-être pas à le faire. Hein. Alors en revanche, ils sont partie prenante de la vie de la paroisse et il faut les aider à l'être. Je dirais peut-être, alors bon, je me réfère à mon expérience personnelle, mais à travers déjà la construction de relations amicales, hein, de se connaître, et puis trouver le moyen de promouvoir des initiatives de laïcs à partir de ce tissu reconstitué, hein, d'amitié, et peut-être... peut-être encourager des chrétiens, dont vous voyez qu'ils en ont les capacités, hein, mais à prendre des initiatives. Écoutez, désolée de parler de moi, mais... Mais donnez des exemples. En ce temps compliqué de confinement, où beaucoup de choses sont rebrassées, je vais vous dire, j'ai eu l'idée de mettre sur pied un groupe de lecture, alors par Zoom, enfin c'est Google Meet, mais c'est pareil, hein, où je convie des couples chrétiens de la paroisse que je connais, hein, à lire Isaïe en avant, c'est le titre. Et je vais vous dire, je n'en ai pas parlé à mon curé. Très bien. Non, ça, c'est peut-être que c'est trop. Je n'en ai pas parlé à mon curé au point de départ. Bon, et on a commencé à travailler ensemble, et évidemment, j'ai mis un mail avec ma plus belle plume pour dire à notre curé, voilà, on veut vous partager la joie que nous avons de nous retrouver 6 ou 7 couples, et nous lisons Isaïe. Et voilà, et il a bien réagi. J'ai trouvé que c'était bien. Mais vous voyez, en même temps, ça, spontanément, nous sommes un peu étonnés. Ah, ça ne se fait pas, ça. Bah, pourquoi pas? Pourquoi pas? Tout à fait. Hein, oui, Jean-Marc. Les questions, maintenant, tombent, arrivent. Ah bon, parfait. Voilà, donc ce sont des questions qui ont été probablement posées sans le filtre de notre père curé. La première, n'y a-t-il pas un problème plus en amont dans les séminaires? Quelle image des femmes y est proposée? Mon Dieu. Marie, vous enseignez dans les séminaires, vous avez enseigné. Oui, j'ai enseigné, oui. Oui, je ne sais pas comment vous répondre parce que je risque d'avoir un propos dysphorique, disons, décevant. Je pense, et j'y pensais d'autant plus en écoutant le père Villemot tout à l'heure, que c'est là un point stratégique. Toutes ces représentations, pour moi, fantasmatiques, hein, de l'excellence, de la surexcellence cléricale, elles s'apprennent tout de même, elles se cultivent tout de même dans les séminaires. Et là, si on ne fait pas bouger les choses à ce niveau-là, je ne vois pas. Voilà. Donc, bien sûr, écoutez, je viens de donner un cours au Centre Sèvres sur cette question des femmes dans l'Église, et c'est un point qui est apparu très massivement. Et des femmes venaient me voir en me disant, mais comment faire pour rejoindre ce qui se passe dans les séminaires? Et je ne sais pas. Mathieu, vous enseignez aussi à des séminaires. Oui, vous connaissez la question, oui. Tout à fait. Non, c'est une vraie question. Je dirais qu'aujourd'hui, dans beaucoup de séminaires, la vraie question, c'est les séminaristes entre eux. Ce n'est pas tellement ce qu'on leur enseigne, c'est les séminaristes entre eux. Parce qu'aujourd'hui, en tout cas à Paris, le corps professoral est franchement mixte. Vous étiez un peu une pionnière à l'époque, mais maintenant, il est franchement mixte. On manque d'étudiantes qui accompagnent les séminaristes en même temps que dans leurs études. Mais il y en a eu dans le passé. Il y en a eu dans le passé, et ça, il n'y en a plus, pour des tas de raisons qu'on ne va pas débattre ce soir, mais que ça manque cruellement. Une autre piste est évidemment que les séminaristes ont un apostolat, et il faut veiller à ce que dans cet apostolat, ils travaillent avec des femmes, y compris, ça m'est arrivé comme séminariste, et c'était excellent, sous les ordres de femmes. Qui est une responsable d'année catéchiste, qui lui disent, toi, tu prends ce groupe-là, et tu fais telle chose avec ton groupe, et puis pas autre chose. Ça, c'est certainement excellent. Est-ce que ça se fait assez? Je ne suis pas capable de le juger. Mais c'est certainement une des pistes. Une des pistes qui vient de s'ouvrir, c'est qu'il y a maintenant 2 femmes au conseil du séminaire de Paris, dont une paroissienne d'ailleurs.
qui donc connaissent les séminaristes et sont aussi une figure féminine pour les séminaristes, mais il faut continuer dans cette direction-là. Oui. Jean-Marc. Il y a eu une réaction également au fait qu'était évoqué que peu de femmes donnaient la communion. La question qui est posée par Sophie, qui décide à Saint-O de qui donne la communion, que les femmes ne donnent pas la communion, le curé, le conseil paroissial. Je pense qu'il y a peut-être une incompréhension. Une question délicate à laquelle vous avez fait allusion, Mathieu, tout à l'heure. Oui. C'est plus ou moins une habitude qui s'est prise et que personne n'ose contester vraiment. Concrètement, c'est les sacristains qui vont chercher des gens pour donner la communion, mais si on leur disait « tu vas chercher Madame Machin », ils le feraient, pas de raison. Ils ne le font pas parce que l'habitude s'est prise et que personne n'ose aller contre cette habitude. Il y a une femme qui donne la communion à la messe du dimanche soir. Donc il faudrait, là pour le coup, il faudrait une décision du curé disant maintenant Madame Machin et Madame Truc vont donner, ou Mademoiselle Truc d'ailleurs, ou sœur une telle vont donner la communion et poser l'acte d'autorité. Alors on verrait certainement des gens changer de fil pour aller chercher la communion des mains d'un homme, mais ça, bon, c'est leur droit, enfin... C'est leur problème, en tout cas. Mais vous n'avez pas, dans l'assistance, dans la communauté, des femmes qui renaclent un peu enfin, devant cette pratique parce que... Eh bien, moi, les réactions de femmes que j'ai eues contre cette pratique, c'était pour me dire, je cite mot à mot, vous n'allez quand même pas me faire donner la communion par une bonne femme. Mais ça, ce n'est pas possible. Et c'est une femme qui... Ce oui, sont, mais ça, ce n'est pas possible. Ça veut dire que là, il y a quand même... parmi les travaux d'Hercule, c'en est un. Oui. Parce que ça, vous imaginez ce que ça signifie dans la tête d'une chrétienne de penser les choses comme ça. Et au fond, pardonnez-moi, enfin, mais pour être un peu brutal, mais vous l'êtes aussi beaucoup. Finalement, quelle conception sacrale, mais au mauvais sens du terme, hein, parce que la foi chrétienne, la tradition biblique, ce n'est pas le sacré, hein, c'est le saint, c'est complètement autre chose. Hein. Donc ça veut dire que là, on a quand même des réflexes qui ont besoin d'être évangélisés, si j'ose dire. Et Anne-Marie, là, on vient de toucher quelque chose qui est très délicat, très sensible. S'il y a une forme d'auto-restriction de la part des prêtres de la paroisse pour éviter ou pour renoncer à ce que la communion soit donnée par des femmes, c'est parce que leur ressenti était que ce serait très mal ressenti. Donc, comment on rentre dans un dialogue pour... amener à cette conversion du cœur, au fond, la désacralisation. Oui. Tout à l'heure, Mathieu disait il faut renoncer au prêtre pour avoir le Christ. C'est une parole extrêmement forte. Oui. C'est par quel processus qu'on peut rentrer dans cette démarche? En se respectant, d'abord. En se respectant. Parce que si on commence à être dans une guerre de tranchées, là, tout est perdu. Bon. Et à partir de là, justement, en ayant créé suffisamment de confiance entre soi pour pouvoir affronter cette différence hein, de perception des choses, réfléchir ensemble. Voilà. Il y a deux questions justement un petit peu similaires dans le sens de ce que Jérôme vient de poser. Une d'Emmanuel qui dit « Vous êtes un prêtre et une théologienne ». Qui dénonçait et combattait le cléricalisme. Comment faire pour que les laïcs que nous sommes prenions conscience des attitudes qui encouragent le cléricalisme? Et la pastote parle qui dit il faut éduquer les jeunes générations. Comment faire pour que les laïcs prennent conscience des attitudes qui encouragent le cléricalisme? C'est un des enjeux majeurs. Je pense que la formation est une des clés. Se former, quand je dis se former, ça peut commencer par les cours alpha. Hein. Ce n'est pas forcément tout de suite aller chercher la grosse artillerie des parcours diplômants. Mais se former, en particulier se former à la parole de Dieu, dont nous avons suffisamment dit qu'elle était le fondement de tout et le meilleur rempart contre le cléricalisme. Il y a souvent des questions qui reviennent sur les jeunes générations aussi. Hein. Bon, simplement, d'un mot, je voudrais rebondir sur ce que vient de dire le père Villemot, la parole de Dieu. Voilà. Ça, je pense que c'est un extraordinaire laboratoire pour nous faire percevoir tous ces points de fixation sacralisants et pour nous faire avancer. Et puis ensemble, on écoute ensemble l'Écriture. Hein. Et on écoute ensemble l'Évangile. Il n'y a rien de tel que l'Évangile comme décapant de nos mauvais réflexes. Le pape dit dans Amoris Laetitia que les Écritures doivent devenir compagnes de voyage des chrétiens.
est-ce qu'elles le sont vraiment? Et ce dimanche de la parole de Dieu, j'ai l'impression qu'on n'en fait rien nulle part. Alors, bon, c'est peut-être pas une formule très adaptée, parce qu'un dimanche de la parole de Dieu, il y a le dimanche des lépreux, il y a le dimanche des mass médias, etc. Mais il faudrait quand même arriver à réfléchir à ça. Et ça, je pense que c'est un levier majeur. Donc, s'habituer, y compris dans le cadre paroissial, à écouter des femmes et des hommes, on ne va pas les exclure, mais des femmes et des hommes, oui. Et qui ne seraient pas clairs, commenter et nous dévoiler la profondeur du mystère des Écritures dans des séances de formation. Je crois que vous y faisiez allusion, Père Mathieu Vimeau. Je viens de dire père, hein, mais bon, quand on est... L'habitude est prise. Voilà. Mathieu, est-ce que vous voyez des lacunes concrètes en matière de formation? Est-ce qu'il y a des idées qui vous viennent, qui pourraient être remplies ou qu'elles on pourrait proposer à des laïcs un peu formés, femmes ou hommes, de combler, et on aurait ainsi l'habitude de ne pas écouter que des prêtres nous parler de l'Évangile, de saint Paul, des Écritures. Ben, on pourrait envisager par exemple un parcours biblique, prendre une année un livre de la Bible, alors ça pourrait être une épître de saint Paul, hein, par exemple, et puis la faire commenter et la faire travailler par petits groupes. Enfin, je réinvente la formation des responsables quand je dis ça. Oui, mais c'est peut-être la peine. Oui, et voilà, faire travailler par petits groupes et entendre un enseignement. Oui. La difficulté, c'est que jusqu'ici, nos tentatives pour faire ce genre de choses ont trouvé un écho très faible par rapport aux effectifs de la paroisse. Donc, que faire pour que l'écho soit meilleur, pour que les gens se mobilisent plus? Ça, c'est une vraie question qui nécessiterait qu'on y réfléchisse en profondeur et en associant les laïcs à la réflexion. Il y avait une petite réaction également de Dubert qui disait que peut-être chez nous, les serments de messe n'étant que des garçons, il y avait peut-être une réflexion à avoir sur ce sujet-là. Et pour tous les deux, une question de Martin qui dit: j'ai le sentiment que le cléricalisme que j'ai connu dans le passé, surtout dans les écoles où les prêtres cumulaient l'autorité spirituelle et l'autorité pédagogique, a tendance à s'estomper. Est-ce que je me trompe? Alors, il y a une question sur les servantes d'autel. Oui. Délicate question, mais qu'en pensez-vous? Alors ici, il y a les garçons qui sont servants d'autel et les filles qui sont servantes de l'assemblée. Je ne sais pas d'où vient, quelle est l'origine de cette séparation. Je n'ai jamais eu le temps de m'en occuper. Moi, sur ma première paroisse, il y avait un seul groupe de servants d'autel qui était mixte. Et ça se passait très bien. Et d'ailleurs, les responsables étaient mixtes aussi. Il y avait un garçon et une fille comme responsables. Et ça se passait très bien. Je n'ai jamais su d'où était venu le fait de séparer et de séparer en deux. J'entends dire par certains prêtres que si on ne sépare pas, les garçons partent tous parce que les filles sont plus mûres et les écrasent. Aussi autour de l'autel. Oui. Non, mais c'est les arguments qu'on sort effectivement à chaque fois. Mais je peux vous dire que, enfin, moi, je suis très agressée par cette pratique-là et très humiliée. Et je me dis quelquefois, un non-croyant pousse la porte de l'église, voit le cœur, et qu'est-ce qu'il pense de notre église? Bon, ça a été aussi à certains moments mon expérience, hein, pour des ordinations à Notre-Dame. Hein, Anne-Marie, vous nous encouragez quand même à essayer de faire quelques pas dans cette direction. Mais bien sûr, mais alors c'est une question de pratique. Mais vous voyez que derrière tout ça, il y a une certaine représentation de l'identité chrétienne, hein, et puis d'une dignité particulière du masculin, qui pour lequel l'accès à l'autel va de soi. Enfin, cette question de la gestion de l'espace culturel, pour moi, est très importante. D'une certaine manière, elle est anecdotique, mais elle est importante parce que derrière ça, il y a un certain nombre de symboliquement cruciale. Oui. Tout à fait. Et ça, là aussi, je dirais qu'il ne s'agit pas de dresser deux camps l'un contre l'autre, mais réfléchir ensemble quand même. Voilà. Et qu'une femme distribue l'Eucharistie, mais qu'est-ce que c'est que l'Eucharistie? Qu'est-ce que c'est? Et sans doute, cela mérite-t-il d'être expliqué lorsqu'on procède à de telles évolutions? Mais en même temps, est-ce que c'est si révolutionnaire que ça?
D'autres questions, Jean-Marc ? C'était donc la question sur le cumul de l'autorité spirituelle et pédagogique qui aurait tendance à s'estomper et qui était un des facteurs premiers du cléricalisme à une certaine époque, notamment dans les écoles. Du fait que moins de prêtres seraient enseignants. Il y a plus beaucoup de prêtres dans les écoles. Oui. On cumule moins l'autorité spirituelle et pédagogique. Oui. Je ne sais pas répondre sur l'histoire longue du cléricalisme. Parce qu'on n'a pas de visuel. Quels étaient les abus qui pouvaient exister en tous sens, à commencer par les abus de pouvoir dans les années 20. On n'a aucun visuel, parce qu'on n'a plus aucun témoignage. Donc je ne sais pas répondre à est-ce que les choses ont évolué dans le bon sens, ou est-ce que, espérons qu'elles ont évolué dans le bon sens, et qu'on soit face à ce qu'on appelle un effet Tocqueville. Un effet Tocqueville, c'est qu'un problème devient insupportable parce qu'il est proche de disparaître. Donc peut-être que c'est ça, que peut-être que les abus des prêtres deviennent insupportables parce qu'ils sont en train, sinon de disparaître, du moins de régresser. Espérons-le, mais dans les faits, on n'a pas de visuel pour y répondre. Merci Mathieu. D'autres questions encore ? Une dernière question qui était « Encourager les filles à être servantes d'autel ne serait pas équivalent à insinuer que la seule place qui vaut dans les églises est celle qui est auprès de l'autel ?» Et la seconde question est donc à considérer que les femmes devraient être prêtes pour avoir plus de place dans l'Église. Oui. Alors, on n'avait pas jusqu'à maintenant posé cette question, mais elle est présente dans votre ouvrage, Anne-Marie. Oui. Est-ce qu'effectivement, il y a une continuité entre cette espèce d'interdiction de la proximité de l'autel et le fait que la proximité serait la porte ouverte vers... l'accès au sacerdoce. Ce que vous évoquez d'abord, est-ce que finalement il faut briguer, hein, il faut que les femmes briguent l'accès à l'autel? Je ne dirais pas forcément, mais attention tout de même au poids symbolique, hein, que représentent ces pratiques. Donc, je disais, c'est anecdotique et en même temps, ça dit beaucoup. Donc, oui. Je pense que c'est très important qu'on arrive à débloquer ça. En revanche, le sacerdoce ministériel pour les femmes, je ne plaiderai pas pour, et je pense même que c'est une forme de cléricalisme. Comme si la perfection, le couronnement de la vie baptismale, c'était d'être prêtre. Non, moi j'ai pas, je n'ai pas d'accès au... à votre dignité, et je pense que j'ai... Oui, mais alors, c'est toute une affaire. Vous n'êtes pas une vraie féministe, vous ne voulez pas rentrer dans le... Je trouve que c'est considéré, que, c'est confirmer cette suprématie du sacerdoce ministériel. Et si celui-ci n'évolue pas, à quoi bon et... Oui. Voilà. Et c'est ce dont nous avons parlé, en effet. En tout cas, le père Mathieu Villemot a beaucoup insisté sur cette transformation dans le sens d'une humilité frappante pour nous, de la personne du prêtre, y compris de notre paroisse, qui est la clé en réponse d'une humilité, d'une simplicité attendue des laïcs. Et paradoxalement, ce qu'on a entendu aussi, c'est qu'il y a une proposition d'un clerc et qu'en face, il s'agit de prendre la balle au bon et d'avoir le courage... de faire sa part dans cette centralité du sacerdoce des baptisés. Nous devons rivaliser d'humilité. Oui. Il ne s'agit pas de prendre la place de l'autre. Oui, oui. Mais nous sommes arrivés presque à la fin de notre temps. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions, Jean-Marc ? Des questions posées, on se rend compte que plusieurs s'interrogent sur l'éducation des jeunes générations. Voilà, donc il y a peut-être une réflexion à mener plus en profondeur, spécifiquement vers les jeunes générations. Oui, c'est certainement aussi un des chantiers, un des travaux d'Hercule dont on parlait tout à l'heure, que d'éduquer les garçons et les filles à l'idée d'égale dignité, au fait que leur baptême, de les éduquer dès le catéchisme, au fait que leur baptême est la pierre angulaire de tout le reste. C'est pas en acquérant je ne sais quel autre titre qu'elles acquériront une dignité. Oui, c'est certainement un des enjeux. Oui. Il faut peut-être que des femmes catéchistes leur disent en même temps que vous leur dites. Oui, oui, certainement. Voilà. Certainement. Et puis les parents. Oui. Mais on va peut-être s'arrêter sur cette note de l'éducation, puisqu'elle nous met sur un terrain qui, typiquement,
est complètement partagée par hommes, femmes, clercs et laïcs, et pourrait être un bon terrain pour cette nouvelle lecture conforme à notre vraie tradition de ce que c'est que d'être en Église, de vivre des relations de sainteté entre les laïcs, entre prêtres et laïcs, entre hommes et femmes, et non pas des relations de domination qui confondent ce que c'est que le service presbytéral avec une forme de divination. Vous avez ressenti comme moi à quel point nos deux intervenants avaient été plus que sincères, mais engagés dans leurs propos. Il n'y a rien de tonitruant, il n'y a rien qui est asséné. On n'est pas obligé, mais à travers leur propre conversion, le chemin qu'ils ont fait, ils nous invitent aussi à nous convertir, et à nous convertir par des gestes qui sont simples, des gestes qui concernent la formation, l'enseignement, l'approche de l'autel, la publicité donnée à nos responsabilités dans la paroisse, le respect de la capacité de tous à comprendre, l'engagement du dialogue, la simplicité du cœur, la connaissance des textes, voilà toutes sortes de voies qui nous sont proposées et que certainement nous vous proposerons de poursuivre, y compris en transmettant les fruits de ce dialogue à notre conseil pastoral et aux différents conseils qui ont la charge de nous animer. Je remercie également les techniciens, tout à l'heure salués par le Père Guéguin. Nous avons eu la tâche grandement facilitée par la fluidité de ce qu'ils nous ont proposé. Et merci aussi à la paroisse Saint-Honoré, au Père Guéguin, qui a donné suite à cette idée qui est venue de loin. Et je vous souhaite à tous la joie de Noël. C'était dans la joie que nous avons été invités, aussi bien par Anne-Marie que par Mathieu. Soyons libérés d'être de vrais baptisés, en relation simple et libre avec les prêtres, avec aussi les femmes et les hommes. Merci à vous. Bonsoir. Merci beaucoup.